Salut à tous et bienvenue de retour dans Grade 4. Alors, allons chercher. La dernière fois, on avait donc pu voir qu'il fallait aider les natifs. Ce qui en soi n'est pas très surprenant. Aider les natifs du coup pour pouvoir savoir comment rencontrer la madame. La madame pour le remède. Pédiaire, le grand cultivateur. Aider à réparer. Est-ce que ça veut dire... Ça par contre, il l'indique pas et on n'a pas d'outils. Est-ce que ça veut dire que je dois fabriquer les trucs ou je dois me rendre directement? On va se rendre directement dessus, on verra. Au pire des cas, je peux toujours aller à l'un des camps pour crafter ce qui manque. Alors, Pedia. Hello. Are you Pedia? People in the village are worried about you. Est-ce que tu Arenaixi? Je ne comprends pas. I know no more if I am what you say. In truth, I fear being dust, waiting to settle on the earth. What has happened to you? Why such despair? My eyes have clouded. I see no more, nothing at all. I was once the great gatherer. But by the devil, why have they sent a blind man to gather herbs? No one knows. I said nothing to them. I know my village so well that I do not need to see to wander through it. But I can no longer gather the herbs of the sacred dye. I know they are here in these woods, but I cannot find them. Et évidemment, là, ça va être à nous de... Eh ben, on va chercher les herbes pour lui. Very well. Can you tell me which plants you need? If you are certain that they are somewhere in this patch of woods, it won't be difficult. But how am I to guide you? The names we give to these plants are not the same là, as la quête, the elle names a pas trop de sens, you là. Give them. Describe them to me. I think I'll find them. One is a blue flower, the other a green mushroom, and the last ingredient is a blackberry. Very well. Don't go anywhere. I'll take care of it. Alors, deux options. Soit le monsieur me bullshit. Ramasser les champignons, cueillir les baies. Bon, j'ai déjà fait puisque de toute façon. J'arrête pas de cueillir des trucs donc. Mais deux options. Soit il me bullshit, soit. La quête est merdique parce que. Il voit bien qu'il est aveugle le mec donc. Pourquoi tout d'un coup. I'm back, Padir. Yes. I found the herbs that you were looking for. Here. Thank you. You are good for a Renaixi. I did not know your kind bore souls such as you. I may return to the village now. I will tell them that you are on your way there. Thank you again. But I ask you, do not tell them what you have learned about me. I do not wish that they treat me like a broken cripple. Goodbye, Padir. Mm-hmm. Ok. Bah, je veux dire, c'est quand même visible que tu sois... que tu es aveugle. Alors, soit ils sont très très cons et natifs. Soit il y a quand même un souci là, hein. Je suis abasourdi en fait. Soit vraiment les natifs sont extrêmement cons, ce qui n'est pas impossible mais qui me semble quand même curieux parce qu'ils ont l'intelligence de faire d'autres choses donc voilà. Soit il y a un autre truc, il y a une autre histoire. B de Belladone, ouh c'est ça dont j'ai besoin pour certaines des potions. Par contre, d'accord, intéressant le bug. Par contre, comment je fais pour aller là-haut là? Il faut que je passe à... Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas passer le... Oh, le bug. Ne bug pas. C'est là que j'ai fait tout le chemin et il me dit... Ah mais non, mais en fait, faut que t'aies les carillons quand même avec toi, Pépère. Si c'est ça, je vais péter un câble. C'est attaqué. C'est quoi avec ces histoires de musique? Let's take a look at these chimes. Its base is damaged. The wooden tubes can no longer hit each other. We will need to craft a new base. Child's play. I'll help you if you want. C'est bon, oui.
These chimes are once again in working order. Niveau 1. Ça pourrait être même niveau 2. Ce serait bon aussi. Il nous manque ici et ensuite les deux du bas. Seeing where it's been hung, it isn't surprising that these chimes are making no sound. They're far too low and can't catch the wind. Ouais, et ben, à part. Now with the chimes in the proper place, they should sound like they're supposed to sound. Si j'avais pas le niveau 1, je sais pas comment je ferais. Il reste un... Ah, évidemment, il y a des ennemis. Ah, the base of this bell is damaged. That's why it no longer makes a sound. Oui, on sait, vas-y. I need to build a new one. Oui, allez. These chimes are once again in working order. Voilà, 3 sur 4. Est-ce qu'on a un truc au bout là? Non, c'est pour redescendre. Allez, c'est parti. Attaquons les petites bébêtes. Venez là, bébêtes. Coucou. Allez, allez, venez. Allez, venez. Allez, venez. Attention. Attention, les filles. On va mettre une petite. Petite pièce en machique. Déstabiliser. Hop là, raté. Oh là là, oh là là, ils ont pas aimé. Attends, attends, attends. On va mettre un piège direct dans son cul. Allez, 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 allez. Sérieusement, le piège était juste devant toi. Ah, mais c'est vrai que je peux faire une roulade. Et Kurt qui est mort. Mais tu sers vraiment à rien, mec. Oh là là. Lui, par contre, ça va être problématique. Wow, wow, wow. What the fuck? C'est quoi cette attaque? Alors, ta, 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 ta. Hop là, raté. M'a pas raté. Par contre, là, ils vont me gangbanger, les mecs. Alors là, il va falloir que je pose des pièges. Technique, 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 technique. Le mieux, c'est peut-être un piège magique. Parce que eux, ils sont particulièrement costauds, hein, dis donc. Voilà, comme ça, j'en ai eu deux d'un coup. Attends, 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 attends. Je me soigne un coup. Ça, ça me saoule. Quand je fais l'esquive, quand je vois qu'il y a l'attaque, je me le prends quand même. C'est dingue, ça. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu pénible. Si vous mettez un système d'esquive, les mecs, si le gars fait une attaque vers toi et que tu fais ton esquive en même temps, que le gars te suive pas pour te la mettre quand même, ça a pas de sens. Bon. On sait que quand les gars attaquent, en tout cas, il faut faire une esquive de malade. Faut partir à 30 km. Comme ça, t'es sûr. Ils te touchent pas. There. Everything is in order. It will chime whenever wind blows upon the branches. Ok. Et bah c'est parti maintenant. On a fait les deux trucs. On va retrouver les messieurs. You are here again. Bien sûr. Lui donner des nouvelles de Pedir. I found Pedir. He should be along shortly. Pedir. Whatever made Pedir. Him take so long. He is not a man to be bothered by the beasts. Trahir le secret de Pedir. Je vais me faire mentir et suggérer de lui donner un apprenti. Je vais respecter la volonté de Pedir. Je vais quand même pas le. That je vais quand même pas le trahir. Poor Pedir fell asleep under a tree. Age, I suppose. It seems like it would be the right time for him to take on an apprentice. Someone to help him on his walks. Well done, Greenblood. As age gains ground, pride is often all that a man is allowed to keep. I thank you, Renaixen. Your acts are as beautiful as your words. Qu'est-ce que tu me racontes, Kurt? You are welcome here. And I hope you find the Tjarna Hach Kadachtas. Kurt qui me raconte sa life tout d'un coup, là. La fierté d'un vieux, oh là là, c'est important. Ouais. Si tu veux, si tu le dis. Well now, Renaixe. Were you able to repair our bells for the hunt? Bien sûr. Yes, they're all working now. You are very surprising. But I should have known that as an Onol Manawi, you would be different than the others. I now believe your words to be true when you say you desire no harm to our Tjarna. You need to find her Voglendai. I will tell him that your intentions are heartfelt. Eh bien, merci à toi. Gagner la confiance du village, c'était pas dur. Donc,
trouver la tine. Donc je fais quoi? J'imagine que je cherche, donc je pense qu'il faut que je parle à, à la madame ou monsieur. Madame, monsieur? J'arrive pas à voir. My name is Desardé. Would you be the Voglendike of the Mistress of Wisdom? C'est un homme. Yes, I am Angus. I have heard much talk about you from the people in the village. They like you. It is rare. We see few Renaxi here. And those who do come are quickly chased away. Demandez où se trouve la maîtresse. Do you know where I might find the Mistress of Wisdom? The Tirna Hachkadaktas. I regret she is not here. Do you know where she might be found? You have earned the trust of the people here by helping Padir and preparing the trail of the hunt. I suppose that I could tell you where to find her, but... What's the matter? You seem troubled. I am. I lost my sacred seal, and I fear the just anger of my wise mistress. Allez, on va lui proposer l'aide. Perhaps I could help you, if you tell me a little more. It is a sacred stone that my mistress asked me to study and meditate with. I had it with me when I was going to the river, but I was suddenly attacked. Of course, the animals let me alone in the end, but I dropped the seal in my flight. I would gladly go and look for it, but I am alone in the village, waiting for the Tirna Hachkadaktas. And what with the preparations and the great hunt, I cannot leave at this time. I see. I'm going to look near the river and see if I can find it. Thank you, Renaxi. The Tirna Hachkadaktas went into the sacred bosque. She goes often there to meditate. And where could I find this bosque? To the west of the village, into the heart of the woods. There is a passage between the rocks that gives access. Be wary. This is an untamed place where the animals are wild and numerous. J'ai l'habitude d'affronter des animaux sauvages. Demander des précisions sur ce symbole perdu. Can you help us remember where you lost the seal you were looking to recover? On the edge of the village, near the river. That is where I dropped it when the wild animals came and chased me away. Thank you. I'm going to see if I can find it. I must leave. Je suis désolé si j'ai l'air de regarder régulièrement la cam et puis le... Parce qu'en fait, je me suis pété le dos avant de partir en vacances. Ça peut paraître con, mais... Et du coup, j'essaie de me recaler, histoire d'être bien droit sur mon fauteuil, histoire de ne pas, disons, aggraver mon mal de dos. Histoire de guérir, surtout. J'aimerais bien pouvoir reprendre une vie normale. Donc du coup, j'essaie de recaler. J'ai un petit coussin derrière le dos. J'essaie de le recaler. Faut pas que ça me gêne trop. Donc si vous me voyez me secouer dans tous les sens pendant que je suis en train de tourner, c'est totalement normal. Pas que vous en ayez quelque chose à foutre, mais juste histoire que je vous explique pourquoi je me secoue un peu devant la cam. Ah, et puis il y a ces saletés de saloperies de bestioles. C'est pas possible, je déteste ces bestioles. Retrouver le symbole, évidemment. Est-ce que... Je peux peut-être en choper un par derrière. Ouais, il est là. Blam! Allez! Ouh yes! J'ai pas été repéré. Attendez, il y a peut-être un moyen. Est-ce que lui revient? Il y a peut-être un moyen. Oh oh. Hop là! Ni vu, ni connu. Hop! Si je peux éviter de les affronter, les salopios, c'est pas un mal. Et d'ailleurs, j'en profitais là en passant sur le camp. Hop, c'est bon. J'ai réussi. J'en profitais pour faire des popos. Est-ce qu'il va me donner une récompense particulière? Est-ce que ça valait le coup que je me casse le cul? Angus, ça a été dur. J'avais l'autre chose à foutre. Prendre le symbole. My heart thanks you. You are a Renaxi like no other. Écoute. The Tirna Hachkadaktas would have been angry if I had lost it.
Réputation. Bon. I must leave. Ouais. Pas grand chose à part de la répute. Disons que plus j'ai de réputation, mieux c'est. Puisque si jamais je fais une boulette ou une connerie quelconque, au moins... Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Non. Watatatatata. Mais si, c'est par là que je dois aller. Mais ils sortent d'où, ces trous du cul? Non. On va faire un détour. Hop. Non. Non, on n'affronte pas les bestioles. Stop les conneries. Pourquoi j'ai des trucs qui apparaissent des fois? Est-ce que c'est parce qu'ils se tapaient sur moi, mes compagnons, et je vois comme si je pouvais leur parler? C'est très bizarre. Très étrange. Oh, attention, il y a des saloperies encore là. Qu'est-ce que c'est que ça? De nouvelles saloperies. C'est quoi ces trucs? Je les ai jamais vus. Oh, j'aime pas ces lézards. Je viens en paix. On voit pas tes bestioles. Non. On voit pas tes lézards bizarres. You are not welcome here tonight, sir. I regret troubling your rest. My name is Desardé. Pourtant, je suis venu à l'aube. I'm a legate of the Congregation of Merchants. Mev, daughter of Morrigan, daughter of Cardwyn. What is a legate? And what could he want from me? C'est la Suisse. A representative of my nation. I've come to speak to you about a cure. I've come to bargain. Of what cure do you speak? You do not show signs of sickness. I'm not. But on our continent, many people are dying from a terrible plague. We have named the sickness the Malachor. And none of our doctors have been able to heal anyone taken ill. We have heard talk from some of your people of a cure that is so powerful that it can heal almost anything. You would be... Tierna hach gedachtas. Forgive this affront. His face resembles ours, but he does not know our customs. But his intentions are pure. He truly seeks à part la marque bizarre que j'ai sur la gueule, je ne ressemble pas du tout, hein. Pas plus qu'à d'autres. What do you seek in their company? Understanding, Tierna. And to learn for the good of our people. You truly think there is anything the Renaixi could teach of any value? They come here to rape our lands, as did those who came before them long ago. This miraculous cure that we've heard talk of, could you share the formula with us? Notre personnage en a rien à foutre de ce qu'elle est en train de dire. Crazed or foul liars. None of this makes sense. But I... Enough. I have lost enough time with your lies and your foolish thoughts. I do not know what you truly want from me. But I will not be used like some puppet. Puppet? What? Mais non, mais... Je veux pas affronter tes bestioles, là. Oh. Eh bah, démerde-toi mon grand, un peu là. Attends. C'est pas bon du tout. Élémentaire, j'en ai plus que deux. On va foutre des pièges magiques. Bam! Dans ta gueule. Wow. Kurt, merde. Je suis dans la merde. On est dans le caca. C'est-à-dire que... Ah, mais c'est pas possible. La gonzesse, directement, quoi. Et crève. Voilà, tentez. Attends. Piège magique. Ah, il l'a mise quand même. En plus, il m'empoisonne. Vite. J'ai plus de protection, en plus. Oh là là. Plus de munitions? What? J'ai déjà tout utilisé? Alors là, je suis vraiment dans la merde. Piège magique. Allez, venez. Toi, t'es mort. Ok. Ah! Allez. Recule, pépère. Hop là. En fait, un coup. Attends. Là, si je prends un coup, je crève.
C'est exactement pour ce genre de cas que j'ai créé les potions de soins. Allez. Allez. Pourquoi il fait pas les roulades là? J'ai pas une potion d'ailleurs pour me faire de l'armure. Faut que j'utilise à la furie. Putain, je suis con. Quel idiot. On va se mettre de l'induction magique. Hop là. Attends, toi d'abord. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, toi t'es mort. C'est bon, t'es mort? Oui, il est mort. Ok, le dernier. Hop là, non. Ouf, 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 ouf. Viens mon grand, viens mon grand. Ah, l'enfoiré. Désolé, je commande pas trop, mais là je suis concentré. La glouglou. Wow, mais t'es sérieux? C'est ce que je disais. Je mets un coup, le machin il réagit pas. Alors que moi je prends un coup, je suis directement bazardé. Voilà. Faut que je fasse ça, il faut que j'arrive à passer par derrière. Voilà. Monstre. Prendre les trucs. Touk 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 touk. Par contre j'ai plus de munitions, il va falloir que je me fabrique des munitions. J'ai utilisé trop de potions de soins aussi. Oh là là là. Et pareil pour les pièges. Je pense qu'il vaut mieux que j'utilise du coup maintenant, plutôt que d'utiliser des pièges, plutôt le l'induction. J'ai l'impression que c'est plus efficace. Ça sort... Alors je comprends qu'elle se méfie, mais avant de m'attaquer, renseigne-toi auprès des tiens de savoir si vraiment je mens, si vraiment j'essaie de te manipuler ou autre. Je sais pas. Je veux bien qu'elle croie que j'essaie de la manipuler vu ce qu'ont vécu les autres peuples, mais... C'est censé être la sage du village. Et elle montre moins d'intelligence que ses compatriotes. C'est extraordinaire tout de même. Attendez. Le marteau, je peux pas le filer à l'autre? Arme d'impact à une main, non je crois pas. Je vais par contre me crafter rapidement des trucs. Allez, on y va. Rattraper la maîtresse. Je pense que ça va être un boss un combat de boss. Quasi sûr qu'elle va nous balancer d'autres bestioles à la con. Oh, avec des têtes de mort. Ah bah voilà, tiens. Qu'est-ce que je disais? Bon là maintenant, oh, je les aime pas en plus ces bestioles. Est-ce que je peux les éviter? Soyons intelligents. Pour une fois. Soyons un peu intelligents. Doutulut. Où ça grogne? Où ça grogne? J'aimerais bien éviter de perdre du stuff pour rien. Non, 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 non. Il me voit, il me voit, il me voit, il me voit. Il me voit, il me voit. Ça m'aiderait quand même de pas avoir des compagnons qui crèvent au bout de 2 secondes, quoi. En 2 coups. Enfin, peut-être que j'améliore aussi le matos de Kurt, hein, c'est ma faute. Enfin, en tout cas pour Kurt. Enfin bon, Kurt c'est censé être le tank. Bon, c'est mort. Alors, attendez, les petits gars. On va commencer par faire une petite induction magique de ma lame. Hop là. Je pense qu'il faut que je. Quand j'ai plusieurs ennemis comme ça. Oui, bien sûr, venez tous sur moi, je vous en prie. Oh là 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 là. Attendez. On va mettre du poison. Non. Allez, allez, poison, mets du poison, mets du poison. Poison. Ah voilà, là c'est bien, là le poison là il est en train de faire effet. C'est bien, il est en train de manger cher là. Viens mon grand. Vas-y, attaque-les pendant qu'ils sont sur ma gueule. Ce serait bien. Attends, on va se prendre un coup de popo. En fait, je pense qu'il faut que je profite qu'ils soient sur moi. Voilà. Ou qu'ils soient sur Kurt. Et pour cela, faut pas qu'ils crèvent. Hop là. Voilà, un peu plus tactique, c'est bien. Je vais éviter d'utiliser un enduit là maintenant.
Hop là. Oh, sérieusement, il est mort. Hop là. Ouh. Tendu, mais faisable. Vraiment. Je commence à saisir un peu la subtilité du combat. Par contre, la roulade, extrêmement nécessaire de le récupérer. En quête d'une panacée. Ok, elle s'est carrément enfermée dedans. Là, peut-être. There is residue. It looks as if something had been placed here. She passed through here, there's no doubt about it. But how was she able to get past these roots? Elle devrait savoir, Sira. This stone stele has something to do with the entry of the grotto. But how? Émettre une hypothèse, demander au compagnon. If you have an idea. These roots protect a sacred passage that the Donae Gada wants not just anyone to take. You are correct to believe the stele is bound Stili, to the entrance. You need to make an offering. Du sang. In general, you place a seed of a particular plant chosen by the Donae Gada that sealed the grotto. How to know which seed to place? And where would we find one? The easiest way is to ask someone who has already passed through the passage. There is a good chance that the Voglendike has already taken it with his mistress and could help us. Ah, et comme j'ai aidé à récupérer le symbole. Your wisdom has been a great help to us. Oui, ainsi aura. Je t'aime. Ok, le TP. Were you able to meet the Tirna Hak Kadakhtas? Yes. Ah, vraiment. But to my grave disappointment, she fled before I could expose my arguments. Oh, elle m'a attaqué même. Many strangers have tried to capture her many times. She must have decided you were one of them. Unilatéralement d'ailleurs. I'm once again in need of your assistance. I must take the passage blocked by a door of roots. You had the honor of speaking with my mistress. If she chose to follow the sacred passage, then it is that she had nothing more to say to you. Why would I share with you the understanding of the ritual? Est-ce que je t'ai aidé, enfoiré? Sérieux? Listen, I was able to meet the Tirna Hak thanks to you, but I haven't the slightest clue why she fled in the middle of our conversation. I sincerely believe that there was a misunderstanding. You know that I mean her no harm. If I were simply given a chance to explain, I'm certain that she would understand. You must feed the offering ward to enter into the passage and meet her once again. I need to place a seed on the stone stele, don't I? Yes, you must make this offering. I cannot tell you from which plant it is given, but there is a chance there are more in her dwelling. I will let you enter this one time, but treat her dwelling with respect. I ask. Thank you for your help. Est-ce que je fasse que je pisse sur les murs? So eager to thank me. The place you enter is ripe with dangers. As do all sacred places, it defends itself with the wild beasts that it fosters. Évidemment. This passage leads to a forest where the ancestors of the Tirna Hak Kadakhtas makes her home. And why should I fear the ancestor? Have stories of the Nadaig been shared with you? In your language, you would call them guardians. No, I've never heard of them. Those who are Donae Gad draw their power from the island. They are bound to her. They become Sinol Menawi. The more they draw power from the earth, the more of themselves they give her. There are times the bond becomes so strong that they abandon themselves completely and become her guardians. They take the face of a Nadaig who, as long as the island gives them life, watch over her dominion. The Nadaig are big and powerful, and they despise intruders. C'est pas les espèces d'arbres là dont on a vu le machin cramé quand on était chez les fanatiques. Ça se trouve, c'est ça. Ok, parti. Bon, et bah écoute, on va aller fouiller dans sa baraque. Hop là. Alors.
This looks like a collection of skulls from various animals. I wonder what purpose they serve. These skulls symbolize the animals. Through some rituals, we greet them. We thank them for feeding and dressing us, so that the next hunting season, they will once again give us the weak amongst their herds. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the route. Alas. Oui, sans doute. Mais c'est intéressant quand même. Des munitions. Je vais pas que vous utilisiez des armes à feu, les mecs. Minerai de fer brut, voyez voir. These crushed plants and these powders. She must have been preparing a potion. It might be the miraculous remedy. To be so close and yet to have no idea what to do with all this. All of this is extremely interesting, but alas, c'est chiant quand il faut répéter le personnage 30 fois sur ça. This plant looks familiar. I saw some not far from here. On a vu plein. Unfortunately, it's lost its seeds. Donc, il faut que j'aille récupérer. Faut que je fouille tout pour avoir la this suite. This bark is covered with little symbols. It looks like some sort of writing. Though I've been led to believe the natives have no written language. The Donegada use these symbols amongst themselves, and only they understand their meaning. It is a secret and sacred language. I cannot reveal to you what the bark contains without breaking my bond. Can you at least tell me if they speak of a passage, a seed? No. I would have told you. I don't see any seeds here. The only clue we have is this plant. Let's try to find some other flowers. It might be their seed that opens the passage. Allez, go. C'est parti. Alors cette fleur, je l'avais repérée justement, j'avais cru d'ailleurs que c'était une plante alchimique. Et ce n'était pas le cas. Donc, je suis plutôt content parce qu'il s'avère que c'est une plante utile à j'ai vu. Perhaps this is where the Tiernaha Caductus finds the seeds that we're looking for. Perhaps, but these flowers are similar to those we found in the dwelling of the Tiernaha. And they bear seeds. Those are the offering seeds we need to open the root passage. We should go try them. We have what we need. Let's go back to the stone stele. Allons-y. Je peux ramasser du coup? Graines. Ok. On va refaire de la potion de soie. Je suis désolé. Hein. On refait des trucs, mais comme ça consomme, ça part vite les potions de soie. Tac, on va assembler. On va en assembler une dizaine encore. C'est surtout que vis-à-vis de ce qu'il m'a dit le mec et qu'a priori il y a plein de bestioles à l'intérieur. Niveau, ouais c'est bon, je suis à 94 sur 200. Niveau poids je suis bon. Et qu'il y a plein de bestioles dedans, je préfère prendre des mesures de sûreté, histoire d'éviter de me faire péter le cul. I'm there. Et que je sois coincé à l'intérieur sans pouvoir revenir en arrière pour faire des potions de soins. Allez, on y va. Dans les profondeurs obscures. Passage des racines. Be respectful. We are in a sacred passage, which is for initiation and meditation. We did not come to defile this place, and we do well to hurry. The Tiernaha Caductus has quite the head start. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous si aura? T'as bien vu depuis le temps que t'es avec moi, bordel, que je suis respectueux des natifs, merde. Ah, bonjour. Merde. Ah, c'est le moment d'essayer. Oh, ça dure pas longtemps en fait. Je n'aurais peut-être pas dû l'attaquer. Ces attaques de bougoule. Ah, en fait c'est pour le maintenir en stase. Ah d'accord, ok. On peut maintenir plusieurs adversaires comme ça. Ah. Ah mais ils sont tous morts. Ah ouais, ok. Bon bah non, je me casse. C'est bon. J'ai compris hein. On peut pas descendre. Oh bordel. Bon bah je vais mourir. Et à mon âme. Allez-y les filles, tuez-moi. Sérieusement.
Ça, c'est le défaut majeur. Allez, vas-y, tue-moi. C'est le défaut majeur du jeu pour moi. Cette histoire de compagnon, c'est un énorme, énorme défaut du jeu. Et le truc le plus bizarre, c'est que l'attaque furtive, je lui mets la moitié de ses PV en physique d'un coup, mais pas son armure. Parce que là, les pièges, le seul truc qui pourrait leur péter les trucs, c'est la piège, leur armure, c'est le piège élémentaire. Ça n'a pas trop de sens là, l'histoire. Est-ce que je peux l'attendre qu'il passe, lui? On va essayer de passer. Les autres dorment. Est-ce que je peux, en me mettant là, on va la jouer fine. Vu que l'autre a pas bugué cette fois-ci, on va le laisser passer. Ne pas se faire repérer. Il m'a bien dit qu'il y avait des bêtes dangereuses, mais de là à ne quasiment pas pouvoir les tuer parce qu'elles ont de l'armure. Ok, ça c'est fait, c'est passé. Sauvegarde. Ok, allons-y. J'ai peur de ce qui m'attend. Oh non, des saloperies de chauves-souris, bordel. Est-ce qu'on peut les passer aussi? Non, non, je suis dans le buisson. Je suis dans le buisson. Ah bordel, bon, il m'a vu. Laisse tomber. Il me faut technique. On va mettre induction magique. Allez, vas-y. On va d'abord, hop là. Non. Et toi, couché. Ah mais non, il a libéré l'autre. Quel... Ah. Voilà, je vais utiliser la furie. C'est vrai que putain, j'oublie à chaque fois que j'ai la furie. Et... Merde, j'ai plus de furie? Si, j'ai de la furie. Bah alors... On va expédier un peu les combats. Et utiliser cette foutue furie. Allez, hop, tac. C'est ce que j'aurais dû utiliser avec les autres monstres. Mais au moins, on les a passés. Donc, je l'ai dans l'os. Merde, faut que je fasse tout le tour. Fais chier. Bon. Eh ben allons-y, traversons toutes les bestioles possibles et imaginables qui nous attendent dans le gouffre. Il y a un truc ici. Ah d'accord, ça utilise... Ah c'est vrai que j'ai pas l'habitude, il utilise automatiquement les techniques quand il y a des E à faire. Ah, j'entends encore de ces saloperies. Ah, c'est pas possible. Attends. Non, ça fait... Ah, c'est bon. On a eu un raccourci. Sinon, on aurait eu à affronter encore une fois les autres bestioles si j'avais pas pris le truc alchimique. Ouf. What? C'est quoi cette saloperie? Allez, bim. Oh, mais... Sérieux? Ah oui, elles sont au-dessus. D'accord. Coucou. Je ne fais pas de bruit, je suis silencieux. Pas un P. Non, vous avez rien vu. Oh là, est-ce que je me dirige vers le bon endroit? Boum, et d'une. Ça t'apprendra à me suivre. Où est-ce que je dois aller? Où est-ce que je peux passer? Attendez. Est-ce que j'entends qu'il y a des saloperies de ce côté-là? Et mon voisin qui fait des travaux, là. Stop, les travaux. Ah, il y a un raccourci. Boum. Parfait. Heureusement que c'est silencieux et que personne ne m'entend. Attendez, sauvegarder. Je sauvegarde régulièrement histoire de pas me retaper tout le chemin. Elle doit être par là. Ah mais attends, il y a ces saloperies de bestioles qui étaient à côté d'elle. Et petit toutou. Petit toutou toutou mignon. Bonjour madame. Je veux parler. Je veux juste discuter. Non. Non. Je voulais juste parler. Non. Non. Non, tu vois pas les gens accroupis juste devant toi. Par contre, on va lui faire ninja. Ah merde! Oh là. Allez, viens. Viens, mon gros. Qu'est-ce que tu fais? Non. Pas de grognement. Voilà. Encore une fois!
Je vais vers lui. Ah. Et boum. C'est bon. Eh ben là au moins ils ont géré les deux autres. Pour une fois. Ok. Alors maintenant on tue les gens de... Les natifs. Ok. On peut pas crier on vient en paix. Non non. On les bute avant. Allez. Est-ce qu'elle est encore loin la madame? Hop. Purge. Et puis en plus là c'est génial quoi. Là c'est comme ça. Mais n'y allez pas comme des idiots. Oh là là. Putain. Allez, utilise la furie, utilise la furie. Arrête de faire ta roulade toi. Boum. Allez, oh, furie. Furie. Voilà, fais pas chier. J'arrive. Potion, 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 potion. Voilà, il est sur moi, les autres s'en occupent, parfait. Là, il est plus sur moi. Voilà, la furie. C'est bon. La furie fait effectivement très mal. Sans elle, en fait, c'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, je pense, mais ce serait méga long. Et tu utilises toutes tes popos à chaque fois que tu fais un combat. Allez. C'est encore long, là? J'imagine que ça doit être pour montrer à quel point le remède doit se mériter. Attendez. Oh, non, 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 non. Ça sent le boss. Allez, vas-y, balance ton boss. Non? Non. Bon, finalement. J'en peux plus. Mon voisin, je jure, mon voisin, ça doit faire 2 ans qu'il est en travaux. Je l'entends en train de faire des trous chez lui. Je sais pas ce qu'il fout, ce mec. Allez, vas-y. Vas-y. Ouais. Finding her here would be quite troublesome. It is an ancient and holy forest. A powerful place. There must be a Nadag here. We should be careful. Oh merde, un Nadag. On va se taper un boss. Je pensais arriver au bout après la grotte. Et je me trompais. Curieusement, alors on va voir comment ça se déroule, mais des fois quand on a des boss comme ça dans les JDR, allez descend. On est surpris parce que on passe du groupe d'ennemis, on va dire lambda, que tu croises partout, qui vont te péter le cul en 2-2. Et là t'as le boss qui arrive, il est gros, il est certes très tanky, mais en fait le machin il est assez facile à battre. Donc on va voir, justement ça va être un bon moyen d'estimer le jeu, la qualité du jeu. Oh oh. Qu'est-ce qu'il fait lui? Non, 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 tu la shoot pas. Oh l'enfoiré. Et comment il est arrivé là lui? Ah bah tu viens de ruiner le... Les possibilités de remède. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout lui? Oh non, 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 non. Non. Qu'est-ce qu'il a réveillé ce con? Et voilà. Je vais pas dire que je suis triste, mais... Je viens en paix. Wow, 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 wow. C'est lui qui fait ses attaques là? Calme-toi mon gros. Oh le sac à PV. Oh le sac à PV. Ah mais bien sûr ils vont crever en 2-2 les mecs. C'est sérieux là? C'est une blague. Attention. Ok cool. Je suis content d'être repassé en difficulté normale. Attendez, je suis passé en difficulté normale. Ah non, je suis en... What? J'avais gardé le jeu en difficile? Mais c'est pour ça que je me fais péter le cul violent. Est-ce que ça vaudrait pas le coup du coup de prendre à la place de Kurt?
Plutôt quelqu'un qui est à distance. Composer mon équipe. Prendre Aphra à la place de Kurt. Désolé Kurt, mais tu sers un peu à rien, t'arrêtes pas de crever. Par contre, c'est vrai que grenade élémentaire... j'espère qu'elle a des trucs pour pouvoir niquer les armures. Sinon, je l'ai dans l'os. Et je vais retenter une fois en difficile. Voir si je peux y arriver, du coup. Et puis, si c'est pas le cas... hop là. Si c'est pas le cas, et bah tant pis, écoute. On va utiliser tout. Oh. Mais qu'est-ce que vous... Ouais, c'est ça. Les compagnons restent en plein milieu de l'attaque. Hop là, raté. Faut que je nique son armure. Aïe 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 aïe. Par contre, il m'a bien niqué mon armure là. Bon, j'apprécierais que quand je te dis de faire une roulade. Ça sort d'où ça? C'est jouable, hein, c'est jouable, mais le truc c'est vraiment cette histoire de compagnons qui sont cons comme des meules et qui restent en plein milieu comme des abrutis. Le mec il balance une attaque. Regardez. Et puis là il me one shot. Induction. Empoisonné. Ça par contre, qui me one shot, ça me rend dingue. Alors que j'ai de l'armure, il me one shot. Comment tu veux affronter un boss? Je veux bien que je doive esquiver la plupart des attaques. Mais fais pas un boss qui te one shot. Donc je suis désolé, mais je vais passer en normal. Restez pas en plein milieu, bordel. Les filles. Et voilà. Ça s'était bien passé il y a 2 secondes. Et c'est ça aussi. C'est... Voilà, c'est totalement tort. Regarde-moi ça. J'ai fait l'esquive. Après c'est jouable. Le truc c'est que le problème que j'ai vraiment avec le jeu, c'est t'as un espèce de délai bizarre entre le dégât. En fait c'est comme si tu vois le mec partir pour faire l'attaque, tu fais une esquive pour être loin, et en fait comme il a lancé l'attaque avant, le monstre suit en quelque sorte parce qu'il a pas encore donné son dégât. Au lieu de tomber et d'avoir les dégâts qui sont ciblés sur la zone où il tombe, en fait le monstre te suit là où tu vas et ouais, un peu de latence, c'est ça, et te fout ses dégâts quoi. Et ça c'est un truc de fou en fait. Faut vraiment... Oh merde, il est esquivé. En fait faut vraiment esquiver au moment où il impacte, genre là. Ça a pas de sens, mais... Attends. Tu vas te mettre en pause. Je vais boire une popo. Là, j'ai... Wow. De justesse. La magie, ça fait pas des masses de dégâts. La stas, ça aide quand même pour l'arrêter dans ses... Aïe 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 aïe. Allez vite. Digne des légendes, maître des bois, tu parles. J'ai dû baisser en normal la difficulté pour l'avoir. Ah bah c'est toi connasse hein, qui me l'a balancé hein. Je voulais pas le tuer là-bas, je voulais tuer personne. C'est ça. Ah bah génial. GG, merci. Pourquoi? Je suis un peu dégoûté de pas l'avoir pu le faire en difficile quand même. To examine her, dissect her if necessary. Et quel fils de... A great service, guiding us directly to her. Et le remède, on se le fout dans le cul. Even if the creature has concocted some remedial potion, it is not the song we came for, but the bird. She leads the sorcerers of this island. She knows how they transform and from where their powers originate. Our scientists think that the remedy is there in their pseudo-magic and in their mutation. Thank you for bringing her to us and ridding us of the monster.
Do you think génial. I'm going to allow you to manipulate me? I don't think anything. Apologies, Excellency. But you are going to die tragically from a stray bullet intended for the monster. Desarde is wounded. Someone heal him. Tu viens de me voir défoncer une créature et tu m'attaques. À côté, c'est de la rigolade. Your Excellency, I surrender. Merde, c'est con. How dare you ask for mercy after attempting an assassination, after revealing your conspiracy to me? Il rigole, le mec. You deserve nothing less than death. I will not go down without a fight. Bon, petit gars, là, tu. J'ai envie de te dire que voilà. Pas grand chose à dire, quoi. Génial, quoi. Génial. Tout ça pour rien. T'es sérieux, il y a que 5 pièces d'or sur cette créature. Même pas un petit truc genre légendaire. Je pourrais récupérer sa corne, j'en sais rien, pour me faire un pommeau. Oh là là. Sérieusement, tout ça pour ça? Tiana Hawk. She's unconscious. We need to bring her back to her village. She needs to be tended to. Attends. Elle est inconsciente? Elle s'est pris 30 balles dans la tronche. Attends avant de partir. Non, on partait maintenant. Leave right away. Is she going to survive? Yes, she will heal. They were not shooting to kill her. And we are resistant, you know. The bond empowers us. It gives us the vigor of animals, the resilience of trees. Ça explique beaucoup de choses par rapport à moi. It's for that reason that your alliance is so interested in us. Oui. Oh mais sérieux. Tiana, he does not mean to harm you. Please, let me. What do you want from me? Je te l'ai déjà dit. We were manipulated by the Alliance. We had no idea that they sought to capture you. We believed their fable of a miraculous remedy. We killed the man that wounded you. J'avais pas capté qu'ils avaient fait ça pour d'accord. No longer. And their governor will have explaining to do. I suppose I should thank you for having pulled me from their claws and bringing me here. And to have crushed the life out of a few of these parasites. There is indeed a remedy. But I doubt if I can eradicate the sickness that you describe. Merci pour le follow. I don't know it. And I don't see how I could create a remedy that would heal it. Perhaps you could try. We are desperate. This remedy was prepared. Et maintenant on est amical avec les natifs. To heal those who escaped the claws of the Alliance. These monsters capture the Menawi. Ça marche. Ouais, vaut mieux pas trop te faire spoil. Merci en tout cas d'être passé, merci pour le follow et puis bah bonne chance à toi sur le jeu. Are in such agony that our care and comfort are not enough to mend them. That's why I made this remedy. Not for your Malicor. My people have never fallen prey to such sickness. How can you be so sure? Perhaps it's your tremendous resistance that protects you from the sickness. Perhaps. Enon mil frictimen protects us all. Enon mil frictimen? God of a thousand faces in your tongue. The one and many who protects us and our island. They and we are tied and bound. As they are tied and bound to you. Their generosity to our people is infinite. But the crimes of the Renaixi enrage it. After all, perhaps your Malicor is their vengeance. Peut-être. Ce serait pas impossible. Je pense que la Malicor, ça doit avoir un lien avec le... Quand ils sont venus, le prophète, je pense. À mon avis, il doit y avoir un lien entre les deux. Donc du coup, elle est en vie. Pour XY raison. Tant mieux, hein, je suis content.